Bonjour Lucie, et puis Bonjour. bonjour Ingrid, hein, quand même. Voilà. Et donc Lucie, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta séance. Bonjour, enchantée. Voilà Lucie, donc je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Donc, juste pour faire un petit récap, dès que je suis née, d'après ce qu'on m'a raconté, je suis née en pleurant. Et j'allaitais pas et j'arrivais pas à dormir. Puis à 6 mois, j'ai arrêté d'allaiter et c'est là où j'ai commencé à tomber malade avec des vomissements et beaucoup de pleurs et diarrhée. Oui. Aussi, je tombais beaucoup, des chutes plutôt violentes sur la tête et tout. Je me suis même ouvert l'œil, sous l'œil. Alors attends, donc tu dis donc tu n'allais c'est-à-dire tu ne prenais pas le tu ne prenais pas le sein, c'est ça? Hein? Ben, très peu et à 6 mois, j'ai complètement arrêté. Ah, tu as carrément arrêté, d'accord. Ok. Et donc là, tu as eu des diarrhées? Diarrhée, vomissement, refus de manger. Bon, D'accord. je continue à pleurer. Ok. J'ai eu la salmonellose. D'accord. Ouais. Voilà. Salmonellose. Ok. Et une pneumonie aussi. Ah ouais, toujours à 6 mois? Non. Ah non, 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 là. ah non, à Ah, partir de... d'accord. Donc, alors, attends. Donc, ok, tu n'allaitais plus, tu ne t'étais plus à 6 mois, donc diarrhée, vomissement, pleurer. Ok. Après, donc, deuxième point, tu me disais. Je vous ai dit la salmonellose, la pneumonie, j'étais Tu m'avais dit autre chose avant. très malade. Des chutes. Ah, les chutes, oui. Des Oui, chutes. je sais, des chutes, je me jetais sur la tête ou je tombais beaucoup assez. D'accord. Et je me suis. Du coup, une fois, je suis allée aux urgences parce que je m'étais ouvert sous l'œil. On a dû Ok, donc en fait, m'opérer. tu as eu de nombreuses chutes et tu aimerais savoir pourquoi, en gros. Hein? Oui, voilà. Voilà, ok. Ensuite, après, salmonellose. Tu l'as eu quand, la salmonellose? Bah, il y a La combien? salmonellose? Ouais. Eh ben, ça Sans date fait précise, hein, il y a combien? 1 an, 3 ans? un an, un peu plus d'un an, un an et 2 mois. Il y a 1 an et 2 mois, c'est ça que tu veux dire? Ou elle avait un an? Non, Ah, j'avais 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois, d'accord. Mais là, aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Je pense pas, mais au cas Non? où. D'accord, tu veux vérifier. D'accord. Ok, donc après Salmonellose, il y a quoi d'autre? J'ai une pneumonie. Ouais, pneumonie. c'est ça, avoir abscessé. Après, La il y a pneu. 6 points aussi, non, à voir. Là, c'est les problèmes de santé après, oui. Ouais, bien sûr, oui. Donc la pneumonie, tu l'as eu à quel âge? Un an aussi, Un an. environ, Ah oui, hein, la d'accord. pneumonie. 1 an et demi. 1 an et demi. Ah oui, donc tout tourne autour des 1 an, quoi. D'accord. Voilà, je trouve la pneumonie, elle m'a laissé plus de traces par rapport à des problèmes respiratoires. Ah, d'accord. Non. D'accord. Ok. T'as d'autres points pour la santé? Du coup, aujourd'hui, je veux dire maintenant, j'ai beaucoup de migraines et de maux de tête. J'ai des douleurs au dos et au cervical, toujours avec la tête. J'ai souvent les extrémités froides. Je sais pas si c'est important, bon. Et j'ai beaucoup de problèmes d'estomac, des coliques, des spasmes, parce que j'ai la bactérie Helicobacter Alors donc attends, l'estomac, parce que j'écris pas vite, hein. Donc l'estomac, tu as des problèmes de quoi, tu m'as dit? pylori. Des problèmes, oui, j'ai des coliques et j'ai une bactérie, j'ai l'Helicobacter pylori. D'accord. Ok. Et ça consiste à quoi ce virus, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ben ça te moi en tout cas ça m'a fait réagir, j'ai beaucoup eu de gastrite
Ah, d'accord. Donc les coliques, tout ça, c'est le colibactère, c'est ça? Ah, d'accord. Ouais. Ok. Ok, donc pas excessif. Je t'écoute. J'ai aussi des douleurs au diaphragme et au cœur, comme au cœur, c'est comme si un point de côté, mais genre au milieu, là, comme si un sentiment d'oppression. Là, j'ai toujours sommeil, mais je fais pas mal d'insomnie. J'ai beaucoup de mal à m'endormir ou voilà, mais j'ai toujours sommeil, fatigué. Oui. Je tombe facilement malade, je veux dire, avec des rhumes, une gastro et tout ça. T'es fragile, quoi. Tu te sens fragile, c'est ça. Ok. Voilà. Et aussi, je pense que c'est parce que je me stresse très facilement. Ne fais pas de conclusion, tu me dis simplement Ah, pourquoi. Hein? ok. Ok. Pour la santé, t'as d'autres choses ou c'est. Après, ça, c'est plus physique et émotionnel. J'ai pas mal d'anxiété, surtout sociale. Genre, dans les environnements où il y a beaucoup de gens et tout ça, je suis Tu as très stressée. pas compris, tu as quoi? Tu as De l'anxiété. ah, anxiété, d'accord. Donc, ok, anxiété. Donc, au point de vue social, en relation avec les Oui, autres. oui. Ok, d'accord. Parce que je suis très introvertie, j'ai une introversion extrême, j'ai marqué. Et avec une émotivité extrême, c'est-à-dire je ressens tout très fort, soit je ressens rien, soit je ressens tout très fort. Il n'y a pas un point D'accord, milieu. pas de juste milieu, d'accord. Donc je pleure facilement, je me mets en colère facilement. Et aussi, j'ai du mal à rester concentrée. Ok. Ok. Y a un autre point? Et bon, avec du mal à rester concentrée, j'ai la mémoire, j'ai des trous de mémoire, j'ai du mal à mémoriser tout ça. D'accord. Ensuite. Et voilà. Après, c'est. T'as des questions hors santé, non? Ou... Oui, après, j'ai marqué 6 points importants que je voulais voir. Je t'écoute. Donc, d'abord, j'ai un blocage au niveau de la communication. Donc, comme j'ai dit, avec tout ce qui est introverti, j'arrive pas à parler. Que ce soit en classe, dans une réunion familiale, dans des oraux. D'accord, on verra ça. Ok, ton deuxième point. J'ai fait 2 paralysies du sommeil. Donc, je voulais voir d'où ça venait et pourquoi. Qu'est-ce que ça Oui. veut dire? Aussi, je suis très un troisième point. Je suis très indécise, donc et passive. Genre, je fais rien. J'ai pas vraiment de passion. Je suis pas assez intéressée par rien. Je me conforme beaucoup au général. Je cherche pas. Voilà. OK. Un quatrième point, pour mes études, je voudrais trouver ma voie. OK. Parce que je ne suis pas sûre de ce que j'aime. Je suis intéressée par plusieurs formations comme psychologie ou tourisme, des trucs qui n'ont pas forcément à voir, ou criminologie. Mais j'arrive pas à choisir ou à voir si j'aime vraiment. Et je sais pas aussi, j'ai tout ce qui est scientifique, j'ai un peu un blocage sur ça. Je sais pas pourquoi, je. Voilà. D'accord. En cinquième point, je suis assez attachée à mon téléphone. Veux dire addict? Oui. Je veux pas dire. Ok.
Est-ce que, voilà, pourquoi? Est-ce que moi je le vois comme une façon d'échapper à ma vie, je veux dire à la réalité, à toujours être connectée, ben, je suis pas vraiment dans la réalité, quoi. Mais Oui, aussi, tu as l'impression d'être en lien avec les autres, mais en fait, c'est virtuel, c'est ça que tu veux dire. Oui, voilà. Puis ça me fait sentir plus intégrée dans le monde, mais au final, non, je Ben pense oui, pas. ben non, c'est une illusion, hein, bien sûr. Ouais, et un dernier sixième point. J'ai toujours ce sentiment de tristesse et de solitude, très récurrent, comme dépressif, dépression, des trucs comme ça. Depuis toujours, mais plus récurrent depuis 3-4 ans. Bien. Alors, on passe aux invités. Alors, qui en invite-t-on à part tes parents? À part mes parents, mon arrière-grande-tante du côté maternel. Pour les défunts. Attends, Ah, avant ça, déjà, pas tu pour as. les morts. Non, non, on verra après les défunts. Hein. Ah, Là, d'accord. on va d'abord ceux qui sont incarnés. Donc, ton papa et ta maman. Bah, et Ils sont toujours ensemble, je ne sais plus. Oui, vous êtes toujours ensemble. non, Ah, non. voilà. Donc, maman, elle a refait sa vie, je ne sais plus. Non, elle n'a pas de Non? compagnon. Et papa, il a fait. Oui, Oui, il est ok. remarié. Donc, papa et sa famille. Hein, on invite sa famille aussi. Oui. Hein, c'est bon pour toi? D'accord. Donc, Et ma après, sœur. ta sœur, ok. Elle a quel âge? Elle a 23 ans. D'accord. Elle a un compagnon? Oui. Elle a un enfant? Non. Donc, compagnon, d'accord. Ok. Après, on dit famille en général? La famille, ok. Tu as des amis que tu veux inviter, sans nommer les prénoms, hein? Oui, j'en ai. Tes amis de cœur, on dit? Voilà. Hein? Amis de cœur, ok. D'accord. Ok. Après, il y a d'autres personnes que tu veux inviter? Non, je pensais. Non. Pensais tout avec mes quatre grands-parents aussi. Ben, ils font partie de la famille en général. Oui, voilà, donc Hein? oui, pour être sûr. Voilà. Ok. Tu as des animaux? Non. Non. Il y en a dans la famille, chez les autres? J'ai du côté de mon père, j'ai un lapin. Bon, on va dire Je dirais, il n'est pas à moi, mais voilà. les animaux de tout le monde. Voilà, Ouais. allez. C'est Ah, mignon. les lapins, ils ont le droit aussi. Hein. Alors, pour les deux désincarnés, qui veux-tu? Qu'on n'a pas vu avec ta mère. Hein. D'accord. Moi, j'ai choisi mon arrière-grand-tante du côté maternel. Alors, arrière-grande-tante maternelle, oui. Elle s'appelle, on l'appelle On te laisse. Tita. Non, pas de nom, pas de nom. Ensuite. Hein. Et après, la grand-mère de mon père. La grand-mère, ton arrière-grand-mère alors, Oui, paternelle. oui. Paternelle, hein. Ok. Eh bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Allez, c'est parti. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Je te laisse augmenter. J'ai 44 000. Avec 44 000, est-ce que tu te sens largement au-dessus de la situation et hors d'atteinte? Oui. Bien. Alors connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Et je te laisse te connecter sur Lucie. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une sorte de, j'ai envie d'appeler ça une ventouse, mais c'est un vortex qui est situé en fait au-dessus de sa tête. Et j'ai envie d'appeler ça ventouse parce que ça fait effet de ventouse. J'ai l'impression que ça la scotche ou ça l'aspire. Donc
En fait, c'est un très grand cercle, je dirais, donc qui ressemble à un vortex. Mais c'est comme une ventouse parfois. Donc, comme une ventouse que l'on va attraper comme ça. Et là, on en est à un stade où elle est attrapée. Il n'y a pas après du lâcher. D'accord. Et Ça je sais attrape que seulement ou il y a une aspiration en fait? ça. Alors, c'est ce vortex-là, ce cercle-là que je vois autour qui l'attrape. C'est ondulant comme ça autour d'elle. C'est relié à une machine, je dirais, parce que je vois un fil au-dessus de ce cercle, mais ondulant. C'est vraiment comme une ventouse. Et ça aspire pas vraiment, c'est juste pour l'attraper, la scotcher, la mobiliser, j'ai ce terme-là qui me vient, pour qu'elle reste immobile, bloquée, quoi. Elle se sent bloquée là-dedans. Étriquée. Il y a même le terme étriquée qui me vient. La sensation d'étouffement aussi. Ne pas arriver à se déployer. C'est surtout ne pas arriver à se déployer en fait. Ses corps subtils n'arrivent pas à se déployer. Et elle-même, elle se sent étriquée à l'intérieur de ça. Alors la ventouse, elle s'arrête, je dirais, au niveau de la nuque. D'accord? Elle prend la tête comme ça. Jusqu'à la nuque, ok. Avec les corps subtils. Cinquième plan. Elle est attrapée là. Ensuite. Alors, jusqu'à la nuque, ça veut dire que c'est aussi la gorge. Oui, on peut dire la gorge aussi, oui. Ok. Les problèmes de communication, ça a à voir? C'est-à-dire que comme elle se sent, oui, étriquée et qu'elle a du mal à se déployer, qu'elle est comme immobilisée, donc elle a du mal à s'ouvrir vers le monde, en fait. Donc, on peut dire qu'elle est bloquée. Et j'ai envie de dire à l'encontre d'elle-même. Oui, forcément. Ça, je vois quelque chose qui se. Alors, dû à cette ventouse, il y a un décalage au niveau de la colonne vertébrale. Je dirais plus, je le vois au niveau du bas du dos, des lombaires, lombaires sacrum. Il y a un décalage, en fait, qui se fait dans sa physicalité. C'est après que dans la physicalité, puisque je vois aussi le décalage des corps subtils et notamment du chakra racine, donc par rapport à l'ancrage en fait. C'est comme s'il y avait voilà, une petite, je dirais pas une petite séparation, mais comme si elle était décalée, on va dire, vers la droite, je vois, mais je parle du bas, hein, depuis le bassin jusqu'à ses jambes, et que là elle est désancrée à ce niveau-là. Donc c'est par rapport en fait à ce. J'ai envie de l'appeler le capuchon maintenant, cette ventouse qui la scotche, c'est comme un capuchon. D'accord. Ensuite, j'ai vu, voilà, il y a des petites aiguilles, comme je dirais des aiguilles de nanotechnologie, qui l'empêchent de prendre sa place, justement, dans l'incarnation, au niveau des genoux, pardon, parce que je les ai dans les genoux. Ce qui l'empêche, ouais, bon, déjà il y a le désancrage, mais ce qui l'empêche de prendre sa place complètement et entièrement dans sa vie d'incarnation. Y a plusieurs, hein, d'ailleurs. Il y a plusieurs aiguilles comme ça sur les genoux. Ça la stabilise. C'est pour la stabiliser, c'est comme une sorte de. Ben, on la place là où on veut qu'elle soit placée, en fait. En fait, c'est comme il y a un déplacement. Je dirais que la ventouse, on en est au stade où elle est attrapée. Elle n'est pas encore déposée quelque part, parce que je sais qu'on va la déposer quelque part. Et dans ce temps-là, dans cet espace-temps-là, de toute façon, on y met un ancrage artificiel. C'est pour ça qu'il y a ces aiguilles-là, en fait. D'accord. Ok. Que vois-tu d'autre? Alors, j'aimerais revenir sur cette fameuse ventouse. Tu me dis qu'elle est reliée à une machine. La machine, elle est située où? Je t'entends pas. Ouais, il y a un bruit. Ouais. On va laisser passer le bruit. Ah, d'accord.
Bah, ouais, tu l'entends le bruit, c'est chez moi là, je sais même plus si c'est chez moi ou chez toi, ouais. Non, c'est pas chez moi. Ah, Ah, parce que voilà. je vois. Ça fait un bruit comme si j'avais un vaisseau qui se déplaçait. C'était. Parce que moi, c'est un bruit, mais qui est lointain, si tu veux, comme un avion, donc pour moi, c'est pas gênant. Et toi, tu dis que tu entends un bruit, alors je lui dis, c'est chez elle, chez moi, tu vois. Je croyais que D'accord. c'était un vaisseau qui se déplaçait. D'accord. Vraiment, à côté de moi. Bon, bref. Ouais, non, mais attends, mais ne doute pas. Regarde simplement, regarde ce qui se passe, parce que ça peut être en lien avec la séance. Regarde. Regarde, ouais. Donc, Parce que je comme t'ai posé la question, où se situe des voilà. gens pareils, hein? Je suis en train de monter de jusqu'au Ouais. bout du fil et j'apercevais un vaisseau. Et à ce moment-là, j'ai le son qui se déplaçait, en fait, un peu plus fort. Donc là, ça m'amène dans un vaisseau. Alors, si je me rapproche, ben, je vois deux, trois mantes qui sont aux commandes. Et dans cette machine, en fait, ils attrapent les êtres humains, ils les ventousent comme ça. Et ils les déplacent comment je peux expliquer ça? C'est pour les déplacer dans différentes salles. Et dans ces différentes salles, il y a différents temps, ou espace-temps, en fait. D'accord. Ils sont là pour tester, expérimenter les êtres humains dans chacune de leurs phases et dans chacune de leurs phases et de leurs corps subtils, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un espace, là, par exemple, si je me concentre sur Lucie, on est sur la phase des ancrages, du chakra racine, en fait, je dirais. Et ensuite, elle va être amenée dans une autre phase de temps ou d'espace-temps d'un corps subtil, pour en tester les résistances, ça c'est le terme qui me vient, les résistances de l'être humain dans ses corps subtils, mais ça dépend lesquels. En fait, ils étudient avec minutie chaque réaction de chaque corps. D'accord. Donc ils ont prévu plusieurs bains comme ça, l'espace-temps, pour plusieurs aspects différents, quoi. Ah, sur la même personne, hein, du coup. Ouais, d'accord. Ok. Et c'est dans quel objectif qu'ils font ça? C'est quoi leurs objectifs finaux? En récupérer le plus de, comment dire, pas d'énergie, mais de forme de l'être humain, de forme d'énergie. Ils peuvent en extraire et en récupérer et s'améliorer, en fait, améliorer leur espèce, c'est-à-dire se le façonner ou se l'insérer, se l'incruster. J'ai tous ces termes-là qui me viennent. Non. Ok, donc en fait c'est purement énergétique. Est-ce qu'ils intéressent des énergies particulières? C'est ça que tu veux dire? Oui, mais Genre adamantine ou alors cristique? pas que celle-là, c'est vraiment D'autres oui, il y a fines? celle-là, Cristique? y a aussi celle-là, ces énergies-là, mais il y a aussi au niveau des corps subtils, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent même en étudier l'ego, on va dire, c'est-à-dire le corps mental. Ils étudient aussi le corps émotionnel. Ils voient ce qu'ils peuvent en faire aussi avec le corps émotionnel. C'est-à-dire, comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire que bon, eux, ils n'ont pas d'émotion, mais peuvent transformer et façonner ce corps-là aussi pour pouvoir insérer la 3D, par exemple. D'accord, oui, ce qu'ils veulent, c'est avoir un corps humain avec toutes ses caractéristiques, mais avec leur conscience d'insectoïde. C'est ça le truc. Hein? Et tout en gardant la mémoire que nous, on n'a plus. Exactement. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Voilà, d'accord. Bon. Ok. Alors, on a un peu dévié parce que là, c'est la phase qu'on regarde généralement quand on a fait tout le tour. Hein. Donc, continue à la scanner et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Au niveau de son cœur, alors je dirais que c'est le cœur, le muscle. Je sais pas, il est. Alors je sais pas, j'ai le terme dysfonctionnant. Ouais, mais regarde pourquoi. En fait, je l'ai vu beaucoup plus éclairé que les autres organes, donc je suis allée voir de plus près. Il a, j'ai le terme ventricule ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnant là, dans sa physicalité. Alors, regarde plus précisément, vas-y directement, regarde exactement ce qui se passe. Passage du sang, en fait, il y a comme des clapets qui bloquent.
Donc les ventricules. Voilà. C'est-à-dire que je ne sais plus, je ne connais pas trop le sens, mais je vois des sens de sang, en fait, entrer, sortir dans ces ventricules, dans ces tuyaux, on va dire ça comme ça. Et à certains moments, il y a un clapet qui peut bloquer, en fait, la circulation. Mais c'est infime, c'est très minime. Je pense que ce n'est même pas visible dans une radio, quelque chose de 3D, en fait. Ce qui amène en fait des dysfonctionnements dans la circulation sanguine, mais aussi je vois dans la respiration en fait par rapport au poumon, quelque chose comme ça. Et la circulation sanguine, ouais, jusqu'au bout. Ok. Donc le sentiment d'oppression qu'elle ressent, c'est par rapport à ça, au cœur, au niveau du cœur. Oui, exactement. D'accord. Bien. Donc ça, c'est provoqué ou c'est une malformation de naissance, regarde. Non, c'est pas provoqué. Non, c'est une caractéristique de sa biologie. Oui. D'accord. Bon, on verra. Bien. Que vois-tu d'autre ? Alors, dans la respiration, j'ai vu comme des particules. Et j'ai le terme nanoparticules qui m'est venu. Quand je parle de la respiration, c'est-à-dire au niveau de l'inspire. D'accord. Les voies aériennes, je ne sais pas. J'ai vu ces nanoparticules, en fait. Ok. Mais là, ces nanoparticules, elles les respirent dans l'air ambiant ou c'est injecté comment... Alors, je prends du recul, parce que là, j'étais vraiment sur cette utilité. Elle est plus sensible à l'air ambiant, oui. Elle est beaucoup plus sensible. Alors, c'est dû à cette ventouse, en fait, qui l'immobilise et la bloque. Et elle est très sensible à tout ce qui peut être extérieur et qui va entrer dans sa physicalité, en fait. Donc, voilà. D'accord. C'est une nanoparticule, tout le monde les respire ou c'est que elle ? Alors, c'est pas tout le monde. Ça dépend. Non, pas tout le monde. Mais elle, comme elle a une sensibilité due à cette immobilisation, il y a des choses qu'elle attrape, on va dire, qu'elle ingère aussi. Donc c'est une conséquence, c'est pas... C'est une conséquence, d'accord, ok. Ça lui cause quoi comme problème, ça, ces nanoparticules qu'elle inspire avec sa sensibilité ? Ça peut amener du rejet de l'élémental. Et sous quelle forme ce rejet se traduit, se manifeste ? Alors, j'ai des problèmes je ne sais pas si c'est indigestion ou d'ingestion aussi au niveau de la nourriture, par exemple, des choses comme ça, je ne sais pas. Ah, d'accord. Donc, ce rapport à la nourriture, c'est ça. Oui. Ok. J'ai le terme faiblesse aussi respiratoire. Ça amenuise, en fait, déjà son système qui est affaibli. Voilà. D'accord, ok. Et ça, c'est depuis sa naissance ? Non, je n'ai pas le terme naissance qui me vient. Je dirais non, c'est venu plus tard. Ok. Ces problèmes à 6 mois, ça a à voir ou pas ? Ces problèmes à 6 mois, c'est... Alors, je l'observe là. Enfant, bébé... Il y a des rejets, je la vois vomir, mais là c'est dû aux entités en fait. C'est une autre cause, bon, on verra après. Okay. Donc là c'est plus tard, en fait. D'accord. C'est vers 11 ans, quelque chose comme ça. Okay. Alors que vois-tu d'autre alors ? Alors attends, je prends du recul. Il y a beaucoup de choses dans son élémental qui s'allument en fait, je dirais. Qui dysfonctionne, mais ça reste des conséquences en fait. Comme quoi par exemple ? Alors là, j'ai quelque chose au niveau des épaules. Je dirais, je ne sais pas si c'est les articulations, enfin il y a quelque chose de pinçant, quelque chose qui pince à l'intérieur. Oui. Ça pince. Et qu'est-ce qui pince alors ? C'est à l'intérieur, c'est. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'articulation ou
des nerfs, je sais pas, quelque chose. Moi, je ressens qu'en fait que ça me pince, c'est ce qui s'allumait là, dans sa physicalité, mais c'est toujours des conséquences. D'accord, il n'y a pas un dispositif particulier, c'est la conséquence de cette ventouse, c'est ça? Exactement. D'accord. OK. Ensuite. J'ai pu voir quelque chose au niveau des poignets aussi. Okay. Et c'est beaucoup plus resserré, je dirais. C'est comme si on avait mis un élastique. Ce qui coupe aussi la circulation sanguine à ce niveau-là. Et ça fait quel poème alors? Ça coupe la circulation sanguine. Ça peut D'accord. couper, c'est pas tout le temps, mais à certains moments, c'est un peu plus resserré en fait au niveau de ses poignets. Voilà, je parle au niveau de l'élémental, hein, de la physicalité, hein, ça a ses conséquences. Et puis même au niveau énergétique, de toute façon, alors là maintenant c'est là que j'observe, parce que j'ai eu le terme fatigue, et c'est au niveau du corps éthérique où elle est épuisée, c'est-à-dire il y a plus d'énergie en fait qui passe. Au niveau de son énergie vitale. Alors l'énergie vitale, je dirais, c'est à moitié plein. Faire une D'accord. relation, une quantité, elle est à moitié plein. D'accord. Ou à moitié vide. À moitié vide. Charrie. On va dire à moitié pleine. OK. Alors, que vois-tu d'autre? J'ai même eu le terme batterie vidée. Voilà. Son énergie. Et puis ben, là, que vois-tu d'autre? Là, j'ai fait le tour. À part, ça me remonte encore alors, au niveau du chakra racine, mais c'est derrière. Déjà, c'est dans sa physicalité. Au niveau matriciel. Au niveau. Je dirais du vagin, je sais pas, de la vulve. Oui. Et une flore vaginale fatiguée aussi, faible. OK. Épuisée, donc c'est par rapport toujours à son désancrage aussi, voilà, et la fuite d'énergie en fait. Une grosse fuite d'énergie à ce niveau-là. OK. Et au niveau matriciel, tu vois quelque chose ou pas? Parce que les J'ai ventes, elles sont spécialistes. Ouais, j'ai eu les ovaires qui se sont allumés aussi, Oui. mais avec le terme comme quoi ça fonctionnait correctement pour l'instant. Comme quoi, j'ai pas compris. Ça a fonctionné correctement pour l'instant. Oui, mais il y a des projets dessus. Elles sont intervenues ou pas dessus? Bah, si j'ai dit pour l'instant, c'est elles ont l'intention d'intervenir, mais ce n'est pas encore l'heure. Elles n'ont rien fait du tout. Il n'y a pas de dispositifs installés qui sont pour l'instant inertes et qui vont être déclenchés après. C'est pas ça. Je vois un fil, quand tu as dit inerte, j'ai vu un fil derrière l'ovaire. Voilà, tu vois? OK. Donc c'est inerte, effectivement. Voilà. C'est pas encore. OK. Et si tu vas dans le futur, une fois activé, qu'est-ce que ça fait? Alors, j'ai des douleurs, je dirais des règles douloureuse et un dysfonctionnement au niveau de l'ovulation, ça c'est le concret physique, et derrière elles en retirent des œufs. D'accord. Des œufs qu'elles auront déposés ou tu veux dire de ses propres. Ses propres ovules Ah. pour en expérimenter. D'accord. Oui, c'est pour faire des hybrides, non? Et oui. Hein? Ok. Mais ça, c'était plus tard et ça a failli puisque ça n'aura pas lieu. Hein? Non. Bien, c'est juste pour l'information. Ok. Tu vois d'autres choses? Non, c'est bon. Juste pour rajouter que la ventouse a des conséquences physiques aussi, c'est comme si on lui appuyait tout le temps sur ses épaules, comme ça. Ah. Comme si quelqu'un s'appuyait toujours sur elle. Mais c'est la ventouse. Voilà, c'était le dernier D'accord. truc que j'ai vu s'activer. OK. Bien. T'as un système GPS quelque part ou pas? C'est le fil de la ventouse. D'accord. Dispositif qui est au-dessus de sa tête. OK. Ça va sur la pinéale ou pas? Non, ça s'arrête sur le niveau de la ventouse vu que ça englobe tout. D'accord, ok. Très bien. Donc, tu m'as dit que ce sont des mantes. Tu vois combien? Tu vois trois mantes, c'est ça? Quatre parfois. Quatre mantes. D'accord, elles se relaient, quoi.
Alors, puisqu'on connaît leurs objectifs maintenant, tu vas regarder depuis quand est-ce qu'elles sont avec elles la toute première fois. Je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. J'ai 5 incarnations. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 incarnations? Comment est-ce qu'elles s'y sont prises? En interincarnation, c'est-à-dire que je la vois désincarnée Ouais. et très anxieuse, il y a comme une sorte d'anxiété, mais il y a eu aussi un consentement, c'est le terme qui me vient maintenant. Là, c'est comme si Lucie, à ce moment-là, avait déjà donné son consentement dans sa vie incarnée, dans des rêves, à travers des rêves. Ah, d'accord, elles ont manipulé ses rêves pour avoir un consentement pendant Voilà. sa vie incarnée, c'est ça? Exactement, et qu'au moment de l'incarnation, comme elle était d'une anxiété assez forte, ils lui ont proposé donc de l'aide, comme ils avaient l'habitude de lui proposer, on va dire, dans ses rêves, et qu'elle a accepté. Donc c'est là qu'on lui a accroché cette ventouse. D'accord. Ah, attends, tu vas trop vite. Sous quelle forme il la voit? Elle les a vues alors. Elles se sont présentées sous quelle forme? Déjà dans ses rêves et après sa désincarnation. Sous forme d'ancêtres, de proches, de sa lignée, comme si c'était une grand-mère hein, qu'elle avait connue. D'accord. Ah ouais, ils ont utilisé les informations des désincarnés, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc, de rechef, elle donne son consentement. Oui, parce que c'est de l'aide qu'elle a besoin. Oui, Bien on lui sûr. a. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle est anxieuse? Qu'est-ce qui fait qu'elle est anxieuse? J'ai une forme de fatigue à vivre. C'est comme si elle était en dépression. C'est comme si elle était pas très bien dans cette vie-là et que elle souhaitait se désincarner. Mais ça la rend anxieuse de savoir. Enfin, c'est la mort en fait qui la rend anxieuse. D'accord. Donc tu me dis que dans cette incarnation-là, avant cette désincarnation, c'est un homme ou une femme? C'est une femme. D'accord. Elle part vers quel âge à peu près? Vers 40 ans, je dirais. 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle quitte ce corps? Elle s'est laissée mourir, comme si elle se laissait aller. Je dirais pas qu'elle est morte de faim, mais en premier lieu, c'est vraiment qu'elle s'est laissée. Mourir à petit feu, c'est-à-dire que sans envisager aucune guérison, elle se laisse aller, quoi. Il n'y a pas D'accord. de guérison, mais... Ok. C'était quoi les raisons pour lesquelles elle s'est laissée aller comme ça? Dépression. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Se sent seule, elle se sent incomprise et on veut lui imposer aussi des choix qu'elle ne voulait pas. Elle se sent pas bien dans sa vie, en fait. D'accord. On est à quelle époque là et dans quel pays? J'ai 1500 Oui. dans une tribu. C'est une tribu africaine, je dirais. Quelque chose comme ça. D'accord. Ok. L'Afrique du Sud. Plutôt la partie sud. Je ne dirais pas que c'est l'Afrique du Sud, mais l'Afrique sud. D'accord. Ah oui, c'est pour ça qu'elle refuse les conditions, on va dire, imposées par le clan, c'est ça? Exactement. Ah oui, ok. Elle ne peut pas fuir non plus, quelque chose comme ça. Donc elle est obligée en fait de vivre et de subir sa vie. Qu'est-ce qu'ils veulent lui imposer en fait dans cette tribu-là? Le choix donc d'être une femme, de ne pas pouvoir évoluer, l'imposition du mari, l'imposition des enfants, l'imposition sexuelle. Une position de tout, alors qu'elle a plutôt des rêves, des choix qu'elle a envie de vivre. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a des femmes dans sa lignée qui ont réussi, qui ont eu leur choix. Mais elle, dans sa position, elle ne peut pas, parce qu'elle est genre la deuxième ou la troisième fille. L'aînée peut avoir ce choix. Ah, d'accord.
Et donc, du coup, elle se laisse mourir. Elle se laisse mourir, oui. D'accord, ok. Bien, donc elle est désincarnée et cette entité lui propose Lored. Et donc, elle accepte. Et depuis lors, c'est elle qui gère ses 5 incarnations. Oui. C'est elle qui a choisi sa lignée. Alors, non. Pas celle-là, en tout cas. Pas celle de quelle manière elle a choisi cette lignée, alors? Par une attraction. Loi d'attraction? Oui. D'accord. OK. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties donc de Lucie prennent conscience et connaissance de cette situation, de ces supercheries et de leurs conséquences. Oui. Ça va partir de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines, ok. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai une humanoïde de polarité féminine qui se présente en cinquième dimension avec un sceptre à la main droite. C'est un moyen de déplacement, de communication intergalactique. Elle est sur... j'ai encore Cassiopée qui me vient, donc je le dis. Constellation de Cassiopée. Oui. Elle est de type humanoïde. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai des couleurs un peu, pour te dire, orangé, marron, transparent. Donner juste un peu l'ambiance. Elle est sur une étoile ou sur une planète? Non, c'est une planète. Une planète? Elle s'appelle comment cette planète? Alors j'ai O, R, A, mais il y a des accents, donc ça ne se prononce pas O-R-A. D'accord, ok. Donc en cinquième dimension. Donc, le sceptre qu'elle porte, c'est un moyen de déplacement alors et de communication, c'est ce que tu as dit? Exactement. Intergalactique, etc. D'accord. Et elle a des fonctions particulières. C'est quoi ces centres d'occupation, ces centres d'intérêt? Oui, elle va. Elle se déplace pour rencontrer d'autres humanoïdes dans d'autres constellations de cet univers. C'est comme un médiateur, j'ai envie de dire. Oui, c'est comme un médiateur. Elle entre en médiation. C'est comme si elle était dans un sort de tribunal. C'est pas vraiment un tribunal parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal, mais elle va communiquer avec une partie, communiquer avec l'autre partie. C'est comme des échanges. De négociation, médiateur, négociation, ça dépend sur quoi. Ça peut être sur des territoires, par exemple, ça peut être sur des problèmes entre... De conflits, des choses comme ça. Ouais, mais en même temps, c'est pas vraiment des conflits, mais c'est pour vraiment négocier que tout le monde, que tout ça soit en harmonie avec les lois cosmiques. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. D'accord. Ok. Donc, elle parle plusieurs langues galactiques aussi. J'ai ces termes-là qui me vient. Et elle en vient à venir sur Vénus où il y a une négociation particulière, une mission particulière à faire par rapport à ce qui s'en vient dans le système solaire. Oui. C'est-à-dire, tu peux être plus précise, donc elle va sur Vénus. Qu'est-ce qu'elle va y faire exactement? Elle va donner des conseils, comme elle a l'habitude de faire, on peut dire ça comme ça, pour pouvoir entrer en négociation. Ce n'est pas elle qui entre en négociation, elle donne des conseils à ceux qui sont sur Vénus, ce n'est pas que des Vénusiens, hein, ouais. Et pour entrer en communication avec les entités qui sont entrantes dans cet espace-là. Donc toutes les entités reptiliennes, par exemple, qui viennent d'entrer.
dans la l'espace. Surface? Non, de l'espace du système solaire. D'accord, ok. Donc en fait, ils ont des inquiétudes par rapport à ça, c'est ça que tu veux dire? En direction de la Terre, oui. Oui. Ok. Ils ont des inquiétudes parce qu'ils n'ont pas leur place, en fait, à ce moment-là. Que elle a pour mission de donner des conseils, en fait, de négociation, puisqu'elle a l'habitude de faire ça sur d'autres constellations, avec d'autres planètes en interaction. Et Dire qu'elle est porteuse de connaissances et de sagesse. oui, on peut dire ça comme ça, surtout de médiation, en fait. Elle a vraiment quelque chose D'accord. d'important à ce niveau-là. Mmh. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe après? Ce qui les préoccupe là, c'est le sort de la Terre ou le sort du système solaire? Du système solaire, en fait, c'est plutôt l'entrée de ces entités-là qui viennent d'arriver Qui viennent d'arriver? voilà, ou en mission de reconnaissance vers leur vaisseau, où ils sont postés, ils ne savent pas trop. Ça déséquilibre un peu le mouvement des lois cosmiques, le mouvement cosmique, en fait. Il y a un déséquilibrage qui s'opère. Ok, donc du coup, c'est ce qui les préoccupe, c'est le déséquilibre que ça provoque pour le système et leur monde, d'accord. Qu'est-ce qui se Là, passe après alors? voilà, c'est là que je la vois entrer directement en communication avec ces entités-là. C'est-à-dire Directement. C'est-à-dire qu'à la base, elle était juste médiatrice, et là, c'est comme s'ils avaient fait plusieurs phases et que ça n'avait pas fonctionné que c'était caduque à chaque fois. Et que là, elle s'est comment dire, obligée en fait de rentrer en communication avec ces entités-là pour continuer la négociation directement. Elle s'est mis une protection avec son sceptre aussi. C'est une liste de protection. Oui. Donc, elle entre en communication avec les reptiloïdes. Sauf que ça tourne mal. Puisqu'ils veulent aucun échange pour l'instant. Ils ne sont pas prêts à ça. Oui, ils ont des objectifs et ils se moquent de ce que veulent les autres. En gros, c'est ça, quoi. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui la chope, qui la prend sous les pieds. C'est comme si elle était désamorcée. Voilà, je le termine. Désamorcée sous les pieds. Comme ça, on l'a fauchée sous les pieds, ce qui l'a fait tomber, en fait. Et son sceptre se casse. Ça comme ça, ne fonctionne plus, donc son bouclier est ouvert de protection et elle se fait prendre, attraper comme prisonnière. Ok. Elle panique là, parce qu'elle n'a jamais eu affaire à ça en fait. C'est la première fois dans toute sa connaissance. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Elle reste prisonnière un temps dans les bas-fonds de ce vaisseau-là, on va dire, du vaisseau reptilien. Dans les cales, c'est ça? Voilà, où elle est énergétiquement bloquée, immobilisée, En fond de cadre, oui. et où elle perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de son essence, enfin de ses énergies. C'est comme si c'était une petite mort pour elle, en cinquième dimension. Et à ce moment-là, je ne sais pas, je la vois. Il la prenne, il la sorte de là et il l'envoie dans les roues d'incarnation. Elle ne sert plus à rien. D'accord. Sa première manifestation sur Terre, c'est en tant qu'humaine? Oui, un homme, un grand humanoïde déjà, très grand, humain. Ok. Et où, là, pour cette fois-ci? C'est comme si elle entrait en Lémurie ancienne, quelque chose d'ancien, je dirais vers l'Asie de maintenant. D'accord. Il a une fonction particulière, là? Il est dans sa tribu. Non, pas vraiment, c'est juste qu'il vit dans sa tribu, quoi. C'est une tribu, ok. C'est pacifique pour l'instant, c'est pas grave. D'accord. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Alors, si tu la scannes, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, mais c'est tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Comment? J'ai tout vu, c'est bon.
D'accord. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, si tout son ADN est issu de son essence et s'il a été trafiqué ou pas. C'est en cours d'être trafiqué. Je dirais qu'il a subi une modification de 1%. D'accord. Modifié de 1%, c'est un apport d'ADN extérieur ou c'est juste une modification? C'est juste une modification. Ok. Et là, ça leur entraîne quel problème pour l'instant? Alors, j'ai le terme désincarnation. Je ne sais pas pourquoi le problème. Alors, regarde, regarde pourquoi tu vois le terme désincarnation. Ça me ramène à ses intervies. Ça la ramène à ses intervies. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette sorte d'anxiété, parce que ça lui amène de transformation, en fait, de perte d'identité aussi, ce qui est. D'accord. Donc tu veux dire que ça réactive des mémoires comme ça d'anxiété? Oui. Et de perte d'identité? Oui, exactement. D'accord. Ok. Bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons sa permission, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archévélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors à part ces 3-4 membres, qui vois-tu d'autre? Des entités démoniaques, les opportunistes. Elles n'ont pas de petites mains? Non. D'accord. Et non. Elles travaillent que pour leur compte, hein. Il n'y a personne au-dessus? Exactement, c'est que pour elles. Donc les démoniaques appuient sur quelle faille? J'ai une tristesse intérieure, une perte d'identité et de l'isolement. Donc elles appuient sur ces failles-là. Il y a aussi la croyance dans le corps mental que de ne pas avoir le choix que de vivre dans cet état-là, en fait. Donc sentiment d'impuissance, quoi. Oui. Ok. Qui vois-tu d'autre? J'ai des parasites. Attends, tu vas trop vite. Les parasites, c'est en dernier. On continue dans la hiérarchie, là. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice. Ouais. Montant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Voilà. Alors maintenant, les parasites. Les parasites sous forme de filaments de grands vers, on va dire, qui se sont incrustés au niveau des intestins, particulièrement. Ça ralentit le système d'élimination, de digestion. Quoi. Ok. Donc sur la digestion également, c'est pas quelque chose. D'accord. Donc tout le système digestif, métabolique, c'est ça, élimination. Exactement. Ok. Bien. Alors, elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences. Tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vu et pas vu, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Lucie se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Et inspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie,
conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Lucie à présent ? J'ai un soulagement intérieur, une légèreté, et c'est comme si j'ai mon chakra cardiaque là qui s'ouvrait. Bien. Maintenant, dis-moi comment réagissent les entités. Elles ouvrent des portails ou des vortex sur différents plans et différentes lignes de temps pour la récupérer. Bien. Donc, on va tout bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas revenir en arrière. Tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose. Oui. Et là, tu ouvres un portail et on vire tout et tous. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Bien. Maintenant, regarde la bulle énergétique de Lucie. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il reste des traces énergétiques. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais compressité. 1, 2, 3. Oui. On la vérifie s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, c'est bon. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, j'ai la sauvegarde des 1% d'ADN. Ok. Alors, on va les éliminer tout de suite. Ok. Donc, tu les vois là ? Oui. Donc, on les élimine. 1, 2, 3. Sur tous les plans, comme précité. Oui. Voilà. Elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Regarde s'il en reste des résidus. Non. OK. Bien. Ce n'est pas fait d'une manière fractale ou multidimensionnelle. Je ne vois pas, il n'y a plus rien. Non, d'accord, ok. Donc maintenant, on regarde si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, au loin, j'ai quelque chose qui s'allume. Oui. Qu'est-ce que comme, c'est ? Comme une ligne de temps, en fait, qui se rapproche. Une ligne de temps qui se rapproche de nous. Ok, une seule ligne de temps ? Oui, c'est un clignotement, oui. Là, j'en vois qu'une. Qui se rapproche de nous ? Oui, comme un serpent. D'accord. Qui se rapproche de nous, tu veux dire de nous vers la séance ? De toute la séance, oui. D'accord. Bien. Regarde, est-ce qu'on a été impacté ou pas ? J'ai des particules, des résidus. Autour de la sur bulle. Sur la bulle commune de la séance ? Exactement. Ok. Donc, on va les virer sur tous les plans de complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant cette ligne de temps qui est en train de courir, tu ouvres un portail et on la vire. 1, 2, 3, sur tous les plans comme précité. Oui. Tu refermes le portail, tu l'effaces. Oui. Maintenant, regarde si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, je ne vois pas. Ah bon ? Ben, ça m'étonne les mentes, ça ne m'étonne rien. Donc, regarde si elles n'ont pas anticipé la séance. En bas, il y a des lignes de temps en bas. Ouais, t'en vois combien ? Il y en a 10. Ah, et dans combien de dimensions ? 4 dimensions. Donc, tu ouvres un portail et on vire. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ça me met une pression là dans le chakra cardiaque. Ouais. C'est une sorte de sauvegarde dans un ordinateur que je vois là clairement en fait. D'accord. Alors on va éliminer la sauvegarde. D'accord ? Oui. C'est sur dans plusieurs dimensions ou une seule là ? J'ai plusieurs dimensions. D'accord.
Ok. Donc, on prend en compte toutes les dimensions. C'est d'une manière fractale aussi? Oui. Alors, tu tiens compte de toutes les parties sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant, on va griller l'ordinateur. Ok. Allez, 1, 2, 3. Une grosse explosion. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Comment elles réagissent, là, les copines? J'ai le bruit qui revient. Comment? J'ai le bruit qui revient. C'est un avion? Bah là, j'ai un avion qui passe aussi. Il nous aime bien. Comment ça se passe? Voilà, pour l'instant, je suis calme. Ok. Donc là, si tu cherches encore en disant qu'elles sont très malignes, parce que les mondes sont très fortes, hein, regarde si elles n'ont pas encore anticipé la séance, s'il n'y a pas d'autre chose dissimulée. Elles ont anticipé, tu sais que j'ai entendu le terme, elle est sortie d'affaires. Et ça, je sais que c'est pas. Ça vient de nous, quoi. Ah, voilà. Donc, je vois quelque chose qui se. S'ils nous disent ça, c'est qu'ils veulent cacher quelque chose. Donc, tu vas le trouver. Allez, je compte à 3 et ça t'est apparent. 1, 2, 3. Oui. Sur le côté gauche. Enfin, sur mon côté, je vois. En fait, je vois carrément une tête d'insectoïde, en fait, qui est réapparue, qui est en lien avec elle. Une menthe? Oui. D'accord. C'est une autre en plus des quatre? Oui. D'accord. Et pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là, celle-là? C'est comme s'il l'avait envoyée en mission aussi. D'accord. Bon. Ils ont vu qu'elle n'était plus là. Ils sont allés chercher d'autres. Okay. Il n'y en a qu'une seule ou il y en a plusieurs? Je cherche partout. Il y en a plusieurs maintenant, je les vois en bas. Combien t'en vois? Il y en a 5. Ok. Donc, tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Aïe, pardon. C'est libérateur d'un coup. Regarde simplement si elles n'ont pas gardé du matériel génétique caché quelque part. Quand tu as dit ça, je les ai vus avec du matériel, tu sais, dans les mains. C'est exactement ça. D'accord. Ok, mais est-ce que tu en vois stocker, dissimuler ou autre? Non, là maintenant, non. D'accord, c'est dans les mains? Elles avaient ça dans les mains pour tenter de la réussir. Ok. Alors, on élimine. Allez, 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si tu vois d'autres choses. Non, je me sens, comment dire, c'est nouveau, là, cette sensation-là. Je me sens complètement relaxée, déconnectée de quelque chose. J'ai une sensation nouvelle, en fait, qui s'installe, en fait, c'est en Lucie. De liberté, en fait. D'expansion, des choses comme ça. Ouais, c'est en Lucie. De légèreté. C'est Lucie qui doit faire ça. C'est comme ça, si j'avais sa Kundalini là, qui se reconnectait, parce que j'ai la colonne vertébrale qui se remet en place. Ok, alors on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors, il n'a pas bougé du plan mourantiel et il est en observation. Comment tu vois son âme? Alors, elle est encore anxieuse, mais elle se sent libérée. Ok. Et sa partie subliminale? Elle est plutôt joyeuse de se sentir enfin s'expanser. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan mourantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur. Dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace mourantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là? Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Lucie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3.
Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Lucie. De pouvoir enfin vivre cette incarnation en toute légèreté, sérénité et sagesse aussi. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? J'ai la sensation qu'il y a comme des filaments qui le transpercent. Et j'irais beaucoup plus le côté droit, donc le côté polarité masculine. C'est-à-dire c'est des filaments énergétiques en fait, qui traversent l'arbre et qui électrisent l'arbre en général, ce qui amène des distorsions de réalité entre les consciences. Qu'est-ce que ça crée concrètement comme problème pour les consciences qui sont accrochées à cet arbre? Il y a des problèmes d'isolement. Certaines consciences se sentent isolées ou seules. Des problèmes de communication aussi, en général. Donc, il y a des problèmes entre le masculin et le féminin, c'est ça? Oui. Problèmes de communication? Oui. D'autres choses? De l'isolement pour les consciences. Ok. Donc, ça peut être le masculin et le féminin dans les relations interpersonnelles, mais ça peut aussi être le féminin et masculin en soi-même? Les deux. D'accord. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Lucie? Elle se sent isolée dans un filament et il n'y a pas de connexion intérieure dans ses polarités, je dirais. Donc, ça l'empêche de prendre sa place, de savoir en fait qui elle est, son problème d'identité. Ok. Bien, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 38. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, c'est bien après les roues d'incarnation que l'arbre se fait attraper par une entité démoniaque qui lance en fait ces sortes de fléchettes énergétiques, ces filaments-là que j'observe. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donc donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Une haute montée de fréquence qui le sort du champ de perception de ces entités-là. Alors, on va compléter par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Elles se reconnectent entre elles dans une même réalité. L'implication est fluide. Les échanges sont harmonieux, je dirais. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Lucie? Il n'y a plus cette sensation de solitude, mais de recherche d'identité. Elle a pris sa place, elle se sent en communion avec ces deux lignées. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui. Allons-y. C'est bon. Bien. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 17% et réinformer le reste. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Bien, on va s'occuper de son ADN. Donc les 1% sont éliminés. Tu es d'accord qu'il ne reste rien d'autre? Oui.
Qu'est-ce qu'elle compte faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu envoies des résidus. Non. Alors elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'Élise? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 de connectés. Elle peut connecter la sixième? Oui. Allons-y. Connecter et activer? Oui. C'est bon. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va porter sa base énergétique et physique. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, on va s'occuper donc des codes matriciels limitants. Donc ça, c'est nouveau dans le protocole et on va le faire en privé. Donc j'arrête l'enregistrement. Bien, alors à présent qu'on a éliminé les codes matriciels limitants, maintenant tu vas regarder s'il reste quelque chose, un genre de programme archontique ou de l'intelligence artificielle quelque part. Non. Plus rien, nulle part, aucun programme? Non. Alors elle remplace tout avec sa propre essence? Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. À présent, elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité et certitude intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Attends, excuse-moi, je me suis un peu perdu. Hop, voilà. Dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, c'est pas grave si je me répète, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, je vais conseiller à Lucie d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui.
Nous éliminons les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer donc les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il reste des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y a pas. Alors elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Et elle déclare, « Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. » Oui. Elle rajoute, « J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. » Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Lucie, tout y est proposé, c'est elle qui fera le tri. Elle déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force unique qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, « De mon plan humain et des autres s'il en est,
Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciens en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme. Ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elles ne conservent bien sûr que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, c'est bon. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes les phases. Oui. Un contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'époque et l'origine. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacticulation. Oui. Et un contre les vacticulés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui.
pour ce faire, qu'il soit adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, crème de vie et double lémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc, tout d'abord, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Lucie de visualiser, imaginer au maximum et ressentir pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée et argentée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle expulse et pulvérise des amas denses et sombres hors de la sphère sécurisée. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage. Tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Oui. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, fait des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules.
C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est fait. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Nous abordons à présent les systèmes des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de muscat activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu encore en arrière-plan? Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On s'occupe maintenant des programmes de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous utilisons la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mais auparavant, on va faire le tour de tous les systèmes, d'abord globalement et ensuite individuellement. Et après, nous abordons ces questions. Donc globalement, quand tu vois tous les systèmes, que vois-tu à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Des programmations d'habitude de fonctionnement, des programmes de compensation. Il y a des programmes qui sont créés et générés artificiellement, aussi par l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Il y en a encore en arrière-plan? Non. Alors, je ne te le demanderai plus. Donc, que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibrer, synchroniser. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système endocrinien, immunitaire, hormonal et glandulaire. Que vois-tu éliminer pour chacun? Et des mémoires traumatiques, des programmes d'habitude de fonctionnement, des programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer et synchroniser. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc on va regarder la glande pinéale avec la valentonine. Dans un premier temps, il n'y avait pas de système GPS, je crois, la pinéale. Hein. Dessus. D'accord. Donc on regarde la valentonine.
Cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite ? 71%. Elle était à combien avant la séance ? 47%. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie ? Oui. Stabilise, sécurise, spiritise et concrétise. Oui. Bien. Maintenant, système neuronal, nerveux central, ORL, visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun ? Il y a des empreintes traumatiques, des programmes de compensation, des programmes qui sont créés et générés artificiellement par l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, complicité. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer et synchroniser. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Regarde maintenant l'équilibre du cerveau droit-gauche. À rééquilibrer. Allons-y. C'est bon. Vois-tu des reconnexions à faire ? Oui. Allons-y également. Donc, on va les faire toutes en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. On voit d'autres en arrière-plan ? Non. Alors, système neuronal, en vois-tu ? Oui. 1, 2, 3. Oui. Toujours système neuronal, mais les zones plus spécifiques qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et ceux de la communication. Vois-tu là aussi des reconnexions à faire ? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central ? Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire ? Oui. 1, 2, 3. Oui. Que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. À présent, les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques. Que vois-tu à éliminer pour chacun ? Il y a des mémoires traumatiques, des programmations d'habitudes de fonctionnement, de compensation de l'élémental et des programmes créés artificiellement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer, synchroniser. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. En harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun ? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement, des programmes de compensation de l'élémental. Et il y a des programmes aussi qui sont créés artificiellement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer et synchroniser. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons pouvoir à présent aborder ces points. Donc, quand elle dit qu'elle est née en pleurant, qu'elle ne têtait pas beaucoup, etc., et qu'à partir de 6 mois, il y a eu un refus donc d'allaitement, avec des diarrhées qui sont déclenchées, des vomissements, avec des pleurs. Bref, qu'est-ce qui s'est passé lors de cet accouchement ? Et pourquoi donc ces conditions de la nourriture ? Ce que j'observe, c'est que dû à sa condition énergétique, avec cette ventouse, ça l'amène aussi à une sorte de vulnérabilité, de sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a un rejet d'être dehors. Dehors, sur Terre. Enfin, dehors, c'est-à-dire que c'était en dehors du jour. Ah oui. C'est-à-dire que dans le ventre encore, ça se passait c'est bien. C'est un refus d'incarnation, tu veux dire. Ouais, c'est pas d'être, de venir au monde.
d'être dérangé, c'est dérangeant en fait d'être dehors en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la peau, tu sais, dans la 3D, dans la matière, au niveau de l'alimentation, de pouvoir ingérer, ça fait, je dirais pas que ça fait mal, mais si, on dirait que ça a des douleurs émotionnelles limite, tu vois, une douleur mentale. C'est-à-dire que je peux pas dire que c'est un refus d'incarnation, mais c'est que c'est plutôt de la matière en ce cas-là. D'accord, ok. De la matière. Et donc là, c'est dû à cette fameuse ventouse. Oui, exact. Je confirme. Donc elle vient au monde avec cette ventouse, déjà. Oui, qui était déjà là dans les incarnations précédentes. D'accord. Bien, alors qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps de tout ça? Alors, des mémoires traumatiques profondes avec écho et résonance, des programmations d'habitude de fonctionnement, des programmes qui sont artificiels aussi, pour pouvoir maîtriser la matière et les compensations de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Allez, on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Un apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer, synchroniser. Oui. Réaligner et érotiser. Oui. Et on harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc elle a fait de nombreuses chutes. Regarde qu'est-ce qui fait qu'elle est chutée aussi souvent. Quand tu as parlé de ça, j'ai vu le décalage de ses membres inférieurs. En fait, c'est le décalage entre le haut avec la ventouse et le bas qui est décalé sur la droite. Ce qui permet une stabilité aussi dans l'ancrage et donc dans son alignement. Donc, qu'elle soit debout ou assise, dans tous les cas, ces chutes ont été provoquées par un déséquilibre en fait. D'accord. Est-ce que tu vois maintenant que tout est régularisé là? Oui, il y a des choses à éliminer. Eh bien, regarde justement qu'est-ce qu'il y a à éliminer. Des mémoires traumatiques qui sont là, avec des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer et synchroniser. Oui. Réaligner et retisser. Oui. Voilà. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc vers un an et deux mois, elle a eu une salmonellose. On regarde qu'est-ce qui s'est passé et s'il en reste quelque chose. Alors, comment je vais expliquer ça? Ce qu'elle inspirait de la, je sais pas si c'est la nanotechnologie, je ne me rappelle plus. Il y a quelque chose qu'elle ingère, en fait. Les nanoparticules que tu disais, là. Les nanoparticules, voilà, chercher. Par rapport à son hypersensibilité. Exactement. C'est ce qui a provoqué, c'est ce qui a provoqué cette sensibilité-là. En fait, comment il s'appelle? Je crois que c'est une bactérie ou c'est quelque chose comme la, ça. La salmonellose, ouais. Mm-hmm. Ouais. Ce qui l'a développée, en fait. D'accord, ça a créé un déséquilibre et ça a permis le développement de ces bactéries, c'est ça? D'accord. Bon, est-ce que tu vois qu'ici maintenant, il reste quelque chose de ça? Oui. Y compris de ces nanoparticules. Oui, il y a des traces hein, des nanoparticules. Que des traces. Oui, j'ai des traces apparentes, oui. Et de la salmonellose. Oui, salmonellose, est-ce qu'il reste quelque chose? En traumatique. Hein. Avec des programmes de compensation de l'élémental. Il y a des programmes artificiels aussi, de protection de l'élémental. Bon, je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, il est en train de changer. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui.
Il y a besoin de reconnecter et réinformer? Oui. Allons-y. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. En harmonie, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc pneumonie à 1 an et demi, avec aujourd'hui encore des problèmes respiratoires. On regarde à quoi c'était dû. Alors, ouais, je sens la pression. Donc, c'est toujours dû. Ce sont des conséquences de la ventouse, mais aussi à le, au niveau du cœur. Voilà. Il y a un ralentissement de circulatoire, on va dire. Ok, donc on va tout traiter en même temps. Tu as vu que le cœur avait des ventricules, des clapets qui ne s'allumaient pas bien, c'est ça? Voilà. Donc tout ça, c'est des conséquences? Oui. Tout ce qui est respiratoire, la pneumonie, ça a été quoi? Une faiblesse? C'est ça, une vulnérabilité qui a oui, permis la oui, exactement, avec la sensibilité aussi des nanoparticules, de l'environnement. D'accord, ok. Vulnérabilité de la matière aussi en général, c'est lié. Donc les douleurs au diaphragme, le sentiment d'oppression dans le cœur, tout ça, c'est les mêmes causes? Ça, c'est les mêmes causes, oui. Alors, regarde toutes les parties concernées et dis-moi, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance profonde. Il y a des programmes de compensation de l'élémental, des habitudes de fonctionnement maintenant et des programmes qui ont été créés artificiellement pour se stabiliser ou se protéger. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné. Oui. Ça bouge beaucoup au niveau du chakra du cœur. Et au niveau même des poumons, d'accord. Ça s'ouvre. Il y a une envergure de respiration que je ressens, qui est déstabilisante puisqu'on n'a pas l'habitude. Enfin, Lucie, elle n'a pas l'habitude de vivre ça. Ça m'a déstabilisée. Ouais, je pense qu'elle y arrivera. Voilà. Donc, réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, et comme ça venait du cœur, j'aimerais que tu regardes plus précisément son cœur avec cette ventricule, là, ce clapet que tu as vu, qui avait des faiblesses. Comment tu le vois maintenant? Alors, j'ai le terme restructuration. Tu veux dire qu'il est en cours de restructuration ou faut le restructurer? Non, le terme, ça veut dire qu'il se restructure. Par rapport à justement cette sensation-là que je viens de vivre, de sentir, c'est en train de complètement se rééquilibrer. C'est comme si elle vivait une deuxième naissance, en fait. J'ai la sensation de pouvoir respirer correctement, naturellement, et que de ressentir ma matière, en fait, naturellement aussi, c'est-à-dire sans rejet. Et donc, il y a une restructuration qui s'opère là, par rapport à ce qu'on est en train de faire. D'accord. Donc, tu veux dire que le ventricule est en train de se réharmoniser, c'est ça? Et d'être... Au niveau cellulaire, même, il se restructure. Ouais. Cette sensation-là, ouais. Je l'observe. Il a besoin d'une énergie particulière en plus ou pas? Oui, ça serait bien. On peut accentuer, oui. Quel genre d'énergie? Des énergies spécifiques vitales de restructuration de cellules. Alors, tu vas le faire aussi pour tout le système circulatoire et en même temps respiratoire. Oui. C'est bon. C'est bon. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Les migraines, les maux de tête, regarde pourquoi. Une concentration d'énergie, donc c'est dû à la ventouse qui n'est pas placée là. Et ça demande beaucoup d'efforts, en fait. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer, là? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement,
des programmes de compensation de l'élémentaire. Alors, on élimine tous les astres ou les plans de complicité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tous les cycles de l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. On peut y mettre une énergie spécifique. Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Et on invite l'alimentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses de sa physicalité, y compris celles qui sont enflammées, s'il y en a. Oui. Voilà. Stabilise, spécialise et concrétise. Oui, voilà. Tu sais pas. Qu'est-ce qui se passe? On va laisser passer. Non, c'est bon. Bon, problème de dos et cervical, regarde à quoi c'était dû. Alors, problème de dos, de cervical, moi, j'ai c'est la ventouse qui s'appuie là. Ouais, c'est ça. D'accord. Ça a été travaillé avec le reste Pas spécifiquement. On n'a pas forcément travaillé la ventouse qui peut s'appuyer en fait sur la physicalité. D'accord. Donc, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par la ventouse. D'accord. On les fait toutes en même temps. Donc, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour toutes ces parties? Il y a des mémoires traumatiques, des programmes de fonctionnement et de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner, retisser. Oui. On peut mettre des énergies spécifiques donc sur le dos et les cervicales. Oui. Oui. Allons-y. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On dirait que le tracteur va rentrer dans ta chambre. Je te jure. Je ne suis même pas au courant de ce qu'ils font. Ils sont en train de défoncer ton salon. Bon, un peu d'humour, c'est bien. Alors, donc, les extrémités froides, regarde pourquoi. Les extrémités, t'as dit qu'ils sont... Oui, ils sont froides. Ah oui. Les mains, les pieds. Au niveau des mains, j'ai l'activation du poignet qui sont serrées. Oui. Donc, la circulation sanguine aussi qui est au ralenti. Et il y avait le décalage aussi de l'ancrage. Ah oui, les genoux. Ça me remontre les genoux avec les aiguilles. En fait, c'est une des conséquences. En tout cas, pour le cycle. Ok. Bien. Alors, puisqu'on nous y sommes justement, qu'est-ce qu'il en reste de toutes ces parties, y compris les genoux avec les aiguilles? Alors, les genoux, ils ont des traces traumatiques avec des habitudes de fonctionnement, tout simplement. D'accord. Et là, pour la circulation, donc des extrémités, tu vois d'autres choses à éliminer? Les traces traumatiques et oui, les programmes de compensation de l'élémental partout dans le corps. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui, c'est les genoux qui vibrent. Donc, on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui, j'ai la sensation aussi que le diaphragme s'ouvre comme ça aussi. Très, oh, c'est ample, quoi. Oui. Donc, équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Et on peut y mettre des énergies spécifiques dans toutes les parties concernées. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, au niveau de l'estomac, etc., système digestif, colique, gastrique, etc., qu'est-ce que tu vois? Donc, il y avait les parasites. Oui. La digestion et le métabolisme. Et puis, oui, j'avais parlé du rejet aussi, de la matière. D'accord.
Bien, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Des mémoires traumatiques. Avec des programmes de fonctionnement et de compensation de l'élémental. Ok. Est-ce que tu vois des déchets de ces parasites? Oui, surtout dans les intestins. Ok. Alors, on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, c'est ce qui doit l'être. Oui. Voilà, regarde plus précisément son système intestinal, tout ça, comment on prend des énergies spécifiques. Oui. Avancé. Des énergies spécifiques. Voilà. Et pour le système gastrique également. Oui, également. Merci. J'ai la sensation que ça m'ouvre aussi le bas du dos, les lombaires. C'est comme si en fait tout se remettait en place, comme un alignement et un ancrage aussi. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Voilà. Ok. Donc les insomnies, qu'est-ce qui fait qu'elle est insomnie? Donc elle se réveille fatiguée, l'insomnie de la journée. Regarde, qu'est-ce qui se passait? J'ai des anxiétés liées à du mémoriel, à des mémoires. C'est ces mémoires-là qu'on a vues d'anxiété aussi. D'accord. Eh bien, on va aller à ce moment-là. Tu vas aller à la toute première fois. 1, 2, 3. Ah oui. Nous sommes où là? Alors là, je la vois. C'est une femme qui est endormie en fait. Comment je peux expliquer ça? Elle n'a pas été. C'est comme si on l'avait droguée. Voilà. Où est-ce qu'on nous sommes là? Ah, j'ai l'Occident qui me vient plus dans le sud de l'Europe. Je dirais la frontière italienne, ce qui me vient. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été droguée? Oui, à l'encontre de sa volonté. Comment dire, on lui a donné comme des sortes d'anxiolytiques ou des choses comme ça pour la calmer, enfin, soi-disant pour la calmer. En fait, je pense qu'on l'a traitée de folle. Et que c'est pour la calmer. Elle avait des crises comme des crises de nerfs, des choses comme ça. Et du coup, à chaque fois, elle s'endormait avec ces médicaments-là. Et ça voit assez fortement, en fait. Elle avait l'impression de se sentir partir et de mourir, en fait. D'accord. Elle est en établissement psychiatrique ou pas, là? Non, c'est à domicile que ça se traitait. On est vers... ça se traitait à domicile avec des plantes. Des genres... Alors, je sais pas, dans les années 1600, j'ai 1681 exactement, quelque chose comme ça, dans ces années-là. Comment on appelle ça, les... Ben, ça dépend, il y a plein de plantes. Les apothicaires, je cherchais le nom. Ah oui, apothicaires, oui, d'accord, oui, ok. Je crois que tu cherchais le nom de la plante, genre belladone. Non, d'accord. Oui, je les vois en fait aller chez l'apothicaire et c'est lui qui lui disait, c'est un peu comme des druides, mais c'est pas des druides là, tu vois. D'accord. Il dit un petit peu. Bien, en tout cas, il y a une mémoire liée à ça. Oui. Bien. Donc, elle va couper tous les liens, déjà, avec toutes les existences qui sont en lien avec cette insomnie, etc. D'accord? Oui, de peur, en fait. De peur? Et tu parlais aussi d'anxiété? Voilà, c'est la peur de s'endormir. C'est ce qui amène l'anxiété. Oui. Donc, ça a commencé vraiment ici, dans cette vie-là, dans cette vie de traitement psychiatrique. En tout cas, là, oui, c'est lié. Il n'y a pas eu avant. Il n'y a pas eu avant. Non, je ne vois pas. C'est là, d'accord. Donc, elle va couper avec toutes les vies, tous les liens de toutes les vies en relation avec ce dysfonctionnement. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà, maintenant, avec en plus des mémoires, qu'est-ce qui reste à éliminer? Il y a des traces traumatiques avec des habitudes de fonctionnement. Les réveils. En fait, c'est surtout lié au réveil.
D'accord. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et elle va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Comment vois-tu Lucie à présent? Alors, connectée à sa source, elle, c'est comme si cette mémoire avait disparu en fait. Donc, je ne perçois plus d'anxiété ou de peur de s'endormir. Ok. Elle se sent apaisée, je dirais. Il y a une sérénité, l'endormissement. Donc, on va aller dans une expérience future. Au moment de l'endormissement, je veux savoir comment elle se sent et comment se passe sa nuit et son réveil. J'ai eu le terme pérenne, c'est-à-dire que l'endormissement se fait naturellement et ça reste pérenne dans toutes ses phases, toute la nuit, sans sursaut, sans anxiété, sans réveil, sans terreur nocturne, j'ai envie de dire aussi. Calme. Bien. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, ce nouvel état? De se sentir plus elle-même, je dirais. Cette sensation de se sentir plus elle, connectée à son soi. Et de l'apaisement. Il y a beaucoup d'apaisement, en fait. Et ça lui fait ressentir quoi, ce nouvel état? La joie intérieure et du plaisir de dormir. Alors, qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien. Alors, on va continuer. Donc, le fait qu'elle était fragilisée, souvent malade, bon, ben, elle comprend pourquoi. Je pense qu'on ne va pas y revenir. Hein? Oui. Voilà. L'anxiété par rapport au social, par rapport aux autres, quand elle est anxieuse, regarde qu'est-ce qui se passe. Et puis, avec une extrême introversion, et je suppose que l'émotivité... donc pareil, extrême en découle également. Regarde d'où ça vient tout ça. Moi, ça me ramène à l'arbre généalogique en fait, quand elle se trouve dans ce filament là, dans ce creux là de l'énergie de l'arbre. Ouais. Donc elle se sent étriquée aussi dans son ancienne situation. En fait, il y a plusieurs choses, mais dans l'arbre, en tout cas, elle se sent isolée. La communication est difficile envers les autres, mais aussi par rapport à sa situation de la ventouse. Donc, il y a plusieurs causes. En fait, ça appuie, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu disais aussi? Donc, l'anxiété sociale, l'introversion. L'introversion. Ben, ça, c'est appuyé par les entités démoniaques. De rester... d'appuyer dans... ces pertes d'identité, dans la tristesse aussi intérieure. Mmh. Donc, ça crée du coup cette introversion, cet isolement et encore plus la difficulté d'aller vers l'autre. Et l'hyper-émotivité, c'est bien d'où? C'est pareil, émotionnel de l'entité aussi qui sont là. Ok, donc déjà dans un premier temps, elle va couper tous les liens toxiques avec l'arbre. Oui. Donc, elle les coupe tous sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Après tout ce que tu as vu, qu'est-ce qui reste à éliminer? Les mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant, on va regarder quand même, puisque cette anxiété, je suppose qu'elle est beaucoup plus ancienne que ça. Donc, tu vas chercher la première cause de l'anxiété.
Ça me ramène, je la vois anxieuse dans son origine humanoïde. Dans le vaisseau? Dans le vaisseau, au moment où elle se fait faucher sous les pieds. La scène qui revient. Voilà, c'est ça. Donc, c'est de là que tout découle. Donc, tu vas revenir un petit peu en arrière, juste avant cet événement. Oui, elle est en pourparlers. Voilà, elle est en pourparlers. Et là, tu vas la contacter, tu vas lui donner les informations de ce qui va se passer, de ce qui va s'en suivre, mais pour qu'elle puisse se préparer à cet événement. Bien sûr, on ne pourra pas changer l'événement, mais elle va en changer les perceptions et ses attitudes. Oui, ça y est. Voilà. Donc, pour lui donner un coup de main, on va la connecter à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Elle est forte et une puissance intérieure qui la connecte sans arrêt avec sa source. Voilà. Donc maintenant qu'elle s'est préparée, on va traverser l'événement, puisque l'événement a lieu. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle traverse cet événement jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans les roues d'incarnation et dans cette première incarnation humaine? Elle garde la centricité et j'ai envie de dire la foi. Arriver jusque sur... Tu m'as dit jusqu'où? Jusqu'à sa première incarnation humaine, elle traverse tout le processus, hein, où elle est, on la met en fond de cale, etc. Rejetée à recycler dans les roues d'incarnation jusqu'à la première incarnation humaine. Donc elle reste durant toutes ces phases en contact avec elle-même, avec toutes ses parties, dans cette préparation qu'elle a faite. Et je veux savoir comment elle est une fois incarnée dans cette première vie humaine. Je ressens plus du tout d'anxiété. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle a gardé vraiment son calme, sa centricité jusqu'à l'incarnation. Et à l'intérieur d'elle-même, elle se sent forte. Il y a une force intérieure en fait. Très bien. Donc maintenant, elle va rester farouchement en contact avec tout ça. Et elle va traverser, elle va passer par toutes les vies qu'elle a vécues et les intervies jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui, c'est bon. Comment tu la vois à présent, ici et maintenant? Ça se réinforme par le plexus. Elle est reprogrammée, comme tu dis. Ah, c'est comme si ça se détendait. L'anxiété disparaît, cette anxiété permanente, elle disparaît de tous ses corps, de toute cette zone-là. Et je la vois calme, sereine, alignée, bien équilibrée et stable, surtout dans son ancrage là, maintenant. Et qu'est-ce que vous allez faire ressentir de ce nouvel état par rapport à avant? Beaucoup plus de force, de puissance intérieure. Elle est ouverte au monde. De l'oralité aussi. L'expression. D'aller vers le monde. Vers l'extérieur. Voilà. Bien. Alors, est-ce qu'elle peut en prendre du plaisir? Elle en prend déjà, oui. Voilà. Alors, qu'elle peut entendre le ressentir, de l'apprécier, de le savourer? Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties déjà prénommées jusqu'à soi supérieur. Oui, j'ai l'ancrage qui est fort. Voilà. Oui. Alors tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises. Oui. Alors est-ce que tu verras encore de l'émotivité, de l'hyperémotivité? Est-ce que tu la vois dans l'introversion? Non, l'hyperémotivité, il n'y a plus d'entité, donc c'est stable. Et dans l'introversion, non, elle est ouverte vers l'extérieur, là, maintenant. Ok. Donc, du mal à être concentré, avec des trous de mémoire. On regarde si c'est réglé ou pas, ou s'il y a des choses qui restent à éliminer. Alors, c'est réglé avec des choses à éliminer, spécifiquement. Ouais, quoi donc? Il y a des résidus... traumatique, je dirais, avec des habitudes de fonctionnement, c'est ça les résidus. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3.
Oui. Et là, on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Les blocages de communication, voilà. Est-ce que tu vois que c'est réglé maintenant? Oui. Parfait. Les paralysies du sommeil, regarde, on a eu deux paralysies du sommeil, regarde ce qui s'est passé. Des interventions démentes dans une bulle dimensionnelle. Ok. Donc, elle la met dans un paralysie et pendant ce temps, ça la permet de travailler, c'est ça? Exactement. Ils ont retiré sa partie subliminale pour travailler dessus ou directement Non, la partie subliminale est sur le côté de la bulle dimensionnelle que j'observe avec, voilà, avec Lucie. Et c'est les paralysies du sommeil, ils sont en train de travailler. D'opérer. Je pense qu'il faut, d'accord. Bon, tu vois qu'il reste des choses à éliminer là? Oui, il y a des traces traumatiques de leur passage. Et il y a des programmes de protection. En fait, c'est créé artificiellement par l'élémental aussi, dans ces phases-là de sommeil. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, quand on a travaillé sur le sommeil, est-ce que tu vois des reconnexions à faire ou c'est tout bon pour toi là? Non, c'est bon, on a fait. C'est bon, hein, on ne va pas refaire. Ok. Donc, le fait qu'elle soit indécise, passive, qu'elle n'ait pas de passion, voilà. Regarde à quoi c'était dû. J'ai les entités démoniaques là, sur le corps mental, en fait, aussi, qui appuie sur la croyance de l'impuissance. Bon, et il reste quelque chose de ça? Oui, il y a des habitudes de fonctionnement avec des traces traumatiques. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et donc, toujours en conscience de sa connexion avec la source, en ressentant sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, sa sécurité intérieure et sa paix profonde. Je veux qu'elle regarde maintenant de sa perspective, de la perspective où elle est, comment elle voit sa vie. Comment elle la voyait, comment elle le voit maintenant? Comment elle la voit maintenant? Là, il y a une belle perspective, hein, c'est-à-dire que il y a le terme nouveauté qui me vient. Oui. Elle va découvrir qui elle est. Plein de projets qui vont se réaliser, plein de projets plein la tête, des idées qui fusionnent. Jouir de la vie, j'ai ce terme-là aussi qui me vient. De profiter, prendre beaucoup de plaisir et de joie. Voilà. Alors, on va profiter de cette perspective aussi pour que sa partie lui donne des indices sur quelle voie choisir dans ce qu'elle a envie de se manifester, de co-créer professionnellement, un peu dans un premier temps scolairement. Voilà. Donc, qu'est-ce que peut lui dire? Qu'est-ce qu'elle voit de son côté? Quelle voie pourrait la plus l'épanouir? Est-ce que c'est plutôt le côté psy, le tourisme, la criminologie ou d'autres choses? En premier lieu, j'avais le terme « suivre ses envies », parce que tout est bon, en fait. Tout est bon à prendre. Et voilà. Maintenant, pour cibler, j'ai vu le tourisme plus spécifiquement, vu qu'elle a l'occasion d'entrer en contact et d'être ouverte au monde. Et je ne sais pas, plus spécifiquement aussi, d'être en relation avec l'autre. Ça me fait penser, en fait, à son origine, parce que je la revois en train de médiatiser, de négocier, voilà, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, dans ce changement d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle sera pleinement connectée à elle-même et elle pourra ressentir ce qui est juste et bon pour elle, tout simplement. Elle en aura les intuitions et les aspirations. Oui. Hein? Exactement. Voilà. Par contre, elle dit qu'elle a un blocage sur le domaine scientifique. Il y a une origine de ce blocage ou quoi? Ou pas? Ça m'a ramené à sa source comme si, enfin sa source, à son origine, comme si elle ne pouvait plus faire son métier en fait. Enfin, c'est assez complexe parce que c'était pas forcément scientifique, mais de la perspective de là où elle se trouvait dans son, on va dire avec son sceptre, par exemple. Ouais.
Il y avait quelque chose on peut dire, de scientifique, je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, il y a la technologie. Voilà. Et en fait, ce refus-là qu'elle a sur Terre, enfin, ce blocage-là, c'est lié à ça, puisqu'elle était elle-même frustrée du coup d'avoir été incarnée. Et là, on l'a régularisée, en fait, hein, avec Bon, l'anxiété. il n'y a plus de lien à couper, il n'y a plus rien, c'est tout bon. Ouais, exactement. Okay. Donc, il n'y aura plus de blocage. Là, Et voilà. aussi, Ok. Alors, autre point. Donc, oui, donc, dans sa perspective, donc, il y a ce qu'elle a vu. Et voilà, donc, bon, écoute, il n'y a rien à faire d'autre de plus, hein, je pense, de ce côté-là. Elle a compris maintenant que toutes les portes y sont ouvertes et qu'elle suivra ses intuitions et ses envies. Elle s'écoutera et tout lui viendra en temps et en heure, sans s'inquiéter. Hein? Et elle verra là où elle pourra prendre du plaisir et s'épanouir complètement. oui. Très bien, voilà. Bien. Alors donc, pourquoi elle est addict au téléphone? Par contre, là, regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle est addict au téléphone? Alors j'ai le terme évasion et là toujours cette ancienne situation qu'elle avait de sensibilité au monde extérieur dans sa matière. D'accord. Ok. Bon, je suppose qu'elle n'en a plus besoin. Non, pas du tout. Plus Voilà. besoin. Elle utilisera son téléphone, mais ça ne sera plus de l'addiction, évidemment. Donc, regarde tout ce qu'il y a à éliminer maintenant pour qu'elle soit parfaitement en harmonie et en accord avec elle-même. Face traumatique avec ses habitudes de fonctionnement. Très bien. Et puisqu'il s'agit d'addiction, on regarde au niveau cellulaire tout ce qui est en lien avec le contact, le toucher, les sensations, etc. On va éliminer et désactiver tout ça. OK? L'image de soi aussi. Voilà. L'image de soi, le besoin, l'envie, le désir, etc. OK? Donc on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Est toujours en contact avec la source, elle ressent sa complétude, cet amour qu'elle est, dans sa sécurité intérieure et sa paix profonde. Comment tu la vois maintenant en relation avec le téléphone et toutes ces technologies, ordinateurs et autres? C'est plus du tout la même problématique. Il n'y a pas un besoin de s'évader. Donc c'est comment dire maîtrisé. Parce qu'on a quand même obligé d'avoir notre téléphone, mais c'est pas Oui, voilà. addiction, c'est pas tout le temps. C'est pas un Ok. besoin en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant, ce nouvel état? Il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel équilibre, je dirais, de légèreté, de sérénité, de nouveauté, d'aller vers l'avant et d'avoir plein de projets, plein d'idées. Alors, quel est le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer? Et le ramène comme un téléchargement toutes ses parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Voilà, le dernier point qu'elle a évoqué, c'était la tristesse et la solitude, hein, avec de la dépression, voilà, depuis 4, 2, 3, 4 ans. Bon, là maintenant, est-ce que tu vois que c'est réglé ou pas? On ne va pas y revenir. Je pense qu'avec ce qu'on a fait, ça devrait être réglé. Avec Voilà, les tu vois des choses éventuellement spécifiques à éliminer pour affiner le travail? non, pas spécifiquement. Eh ben, c'est parfait. Donc, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances qui en découlaient, limitantes évidemment. Alors, j'observe des programmes qui sont plantés, collés, accolés les uns sur les autres, les uns aux autres. C'est limitant et très dense, avec la croyance comme quoi elle n'a ni la connaissance et ni la force nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Bien, alors sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'elle peut les pulvériser. Les faire dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce qui reste à pulvériser et à faire dégager? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Allez, elle élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui.
Voilà, maintenant toujours selon ces lignes de temps, tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Donc j'ai de l'anxiété, de la tristesse, avec de la culpabilité de ne pas arriver à dépasser ces états-là, une certaine nostalgie aussi, qui crée en fait de l'impuissance, une perte d'identité. Il y a de la colère intérieure aussi, d'essayer de faire les choses mais de ne pas arriver à sortir. Il y a beaucoup de fuite d'énergie. Il y a une fausse image, une illusion d'elle-même qui est créée. Alors, on va regarder maintenant les côtés des cinq blessures qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. J'aimerais savoir lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles. Le sentiment d'injustice, de devoir vivre cette incarnation-là dans ces conditions-là, avec le sentiment d'humiliation, de ne pas avoir le choix que de vivre dans ces conditions. Et ne pas avoir le choix aussi, d'arriver, d'essayer de s'en sortir. Il y a la partie physique qui se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir laissée là, abandonnée et rejetée dans l'incarnation. C'est que le ressenti, ce n'est pas la réalité. Et pour pouvoir avancer ou maîtriser cette incarnation, elle s'est enfermée dans une bulle de protection, de couche dense, épaisse, qui l'enferme et qui l'isole. Elle a la sensation donc d'avancer, de maîtriser, d'éviter des pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures, ce qui l'isole encore plus et qui crée une fausse et une illusion d'image d'elle-même. C'est bon. Bien, mais je rappelle qu'il s'agit là de lancer une ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer ? Les mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et toujours en connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Lucie à présent ? Parfaitement connectée, alignée entre toutes ses parties. Elle est sereine, calme, légère, pleine d'entrain, ça pétille, de joie, plein d'idées, de projets. Il y a beaucoup de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient scolaires, matérielles, financière, enfin oui, dans tous les domaines de son existence, hein, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Voilà. Donc stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, son origine, son essence même, quelles que soient les incarnations, les manifestations, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'espace et le temps. Et là, je rappelle que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Lucie? Elle ressent beaucoup de joie et de soulagement et de se sentir un bien-être général. Voilà. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le rajoute donc à sa programmation.
Et ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement. Toutes ces parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ces autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé et un bien-être parfait, une parfaite sécurité intérieure et paix, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Lucie à présent ? Elle est alignée, connectée, équilibrée. Elle a beaucoup de joie et de plaisir. Elle aime bien être générale. Bien, alors c'est le moment des invitations. Elle a nommé bien sûr sa maman, son papa et sa famille, sa sœur et son copain, la famille en général, les amis de cœur, tous ceux à qui elle pense, et les animaux. Donc, eux sont invités pour la douche finale. Voilà, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter ? Oui. Accepte-t-il un petit coup de main, un petit coup de pouce ? Alors, puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va couper également tous les liens toxiques selon donc, le terme que nous avons élaboré et coupe tout sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Voilà, maintenant, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Lucie pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, les animaux sont invités. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Alors, on va passer au désincarné. Elle a nommé son arrière-grande tante maternelle. Sur quel plan tu la vois et dans quelle situation ? Elle est sur le plan astral, dans sa propre bulle de réalité. Vraiment dans sa bulle de réalité où elle s'y trouve bien. Très bien. Donc tu peux regarder son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui. Tu peux communiquer avec elle. Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent ?
Elle a augmenté ses fréquences, elle est sortie de sa bulle de réalité, elle a changé de plan. Elle se posait des questions. Qu'est-ce qu'elle faisait là, en fait? Alors, que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle veut remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Lucie et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Oui, justement, elle était en train de dire qu'elle ne connaissait pas Lucie. Elle ne la connaissait pas, elle se demandait qui elle était. Et après, en remontant dans la lignée, elle a pu observer qu'elle avait connu, ou enfin, elle savait qu'elle connaissait sa maman, à Lucie. Quelque chose comme ça. Bon, elle était en train de me raconter l'histoire. Du coup, là, elle est très heureuse de ce qui vient de se passer. Donc, elle remercie. Elle envoie des énergies d'amour sur toute la lignée. Donc, que ce soit Lucie, sa maman, voilà, toute la lignée maternelle. Très bien. Alors, avant de remonter à la source, demande-lui si elle veut envoyer dans la lignée maternelle et paternelle de Lucie des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui. Allons-y. C'est bon. Eh bien, voilà, salut, elle l'a remercié. Oui. Elle est sortie de la fausse matrice. Oui, elle a un caractère un peu bien trempé, on aurait dit. Elle partait d'un bon pas, en fait, en avant, en tout cas. Ah oui, bon. Très bien. Alors, donc maintenant, ça va être le tour de l'arrière-grand-mère paternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Du côté de son père, c'est ça? Paternelle, du côté du père, hein, oui. Du père de Lucie. L'arrière-grand-mère paternelle de Lucie. Ok. Oui, ouais, c'est la source de Lucie. Hein. J'étais sur la lignée de mère, mais c'est la lignée de père. Ouais. C'est bon, je l'ai repéré. Très bien. Sur quel plan tu la vois et dans quelle situation? Elle est dans le moyen astral. Ouais. En fait. Bon. Bon, tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui, elle est étonnée, mais oui, pourquoi pas. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre l'information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il à présent? Elle a changé de plan, augmenté ses fréquences. Elle se sent beaucoup plus libre. Très bien. Que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle continue vers la source, à la source. Elle va à la source, ok. Donc dis-lui qu'elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Voilà. Avant de monter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Lucie, sa maman et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer? Elle est très heureuse de connaître Lucie. Elle la remercie de l'avoir aidée par rapport à cette séance. Et elle envoie des énergies d'amour dans toute la lignée paternelle. C'est tout? Oui. Bien, et bien on va la saluer et la remercier. C'est bon? Oui, c'est dit, oui. Ah, j'ai pas entendu. Il y a des fois que j'entends pas quand tu dis oui. Hein, alors, ok. Bien, on revient à Lucie. Oui. Voilà. Donc, regarde s'il reste des liens toxiques. Oui. Elle va tous les couper en une seule fois. 1, 2, 3 sur tous les plans, comme précité. Oui. Tu en vois d'autres en arrière-plan? Non. Bien. Elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur,
que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les villes, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et par précaution, on regarde s'il reste quelque chose du système de la fausse matrice lorsqu'elle est entrée la première fois avec ce qu'on a fait tout à l'heure pour éliminer les codes limitants de la matrice. Non, il n'y a plus rien. Très bien. Alors, de son espace moronciel, elle récupère toutes les énergies. Oui. Connais activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double 2004 activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qu'elle nécessite, elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double 2004 activée. Oui. À présent, elle crée son boom de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Bon, j'allais dire c'est son corps comme un lifting, mais enfin, avec son souvenage, je ne sais pas. Bah, elle le met quand même, on verra bien. Oui. Est-il le programme pour être stable, équilibré et pérennisé? Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 7 et 6 de connectés. Est-ce qu'elle peut connecter et activer la 7e? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Bien. Alors, donc, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 9 à 13 mois. De 9 à 13 mois. Est-ce que tu vois des effets rapides? Et lesquels? Il y a le bien-être général, global, et je dirais un début de communication, d'aller vers les autres. Très bien. Alors, est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il y a des phases où elle va avancer d'un pas et d'autres, elle va reculer de deux pas. Parce que les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher les informations du passé pour les ramener dans le présent. Voilà, donc il suffira à Lucie de se souvenir de ce qui a été dit dans des moments où tu auras l'impression que les choses reviennent en arrière, ou même qu'elles s'accentuent. Tu te rappelleras que dans tout processus d'auto-guérison, c'est normal, c'est ce qui arrive parfois. Et en restant confiante et optimiste, tu pourras soutenir toutes tes parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait aussi être ta métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur.
Autrement dit, la balle est dans ton camp. Et pour soutenir toutes les parties de Lucie, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. J'ai le terme extra, c'est extérieur, extrapolé, comme si elle allait vraiment, maintenant c'est tout le contraire, qu'elle allait vers l'extérieur. Extraverti, tu veux dire? Extraverti, oui, il y a quelque chose. Là, vous voyez, tout le contraire, on ne pensait pas que ce soit elle, en fait. Mais c'est la nouveauté. Elle se découvre, elle est alignée, il y a beaucoup de joie, de plaisir à vivre dans cet état d'être. Il y a beaucoup d'aventures aussi, avec tous ses projets. C'est une belle expérience là, qu'elle est en train de vivre. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer et de le déguster. Oui. Et elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. À présent, on va regarder sa maison, son domicile. J'aimerais savoir que tu me dises comment tu le vois. Je vois des énergies discordantes en mode serpentin, mais qui émanent de Lucie dans le domicile. D'accord. Tu veux dire que c'est en lien avec l'ancienne situation? Oui, exact. Bien. Regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non, c'est calme. Très bien. Donc, elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer. Donc, l'intérieur de l'appartement, la mémoire des murs, les meubles, les objets, cave, grenier, garage, il y en a. Enfin, partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double demi-scat activé. Oui. Et sécurisé, bien sûr. Maintenant, sur le compteur électrique qui est à Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double demi-scat activé et sécurisé. Oui. Sur tous les plafonds, elle va installer un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée, avec un son et un parfum qui se module et on sécurise. Oui. Maintenant, elle remplit son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle cristique de protection, elle également, et les autres occupants, s'ils le veulent, bien sûr. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas créer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double demi-scat activé. Oui. Autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et enfin, elle installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, son état ou la situation, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer librement son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, prédise et concrétise. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique
pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, planise et concrétise. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Que la connexion, maintenant, elle est libre et directe. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute ? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités d'activation. Alors, il suffira à Lucie de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme ? Elle est expansée, vibrante et joyeuse. Et sa partie séluminale ? Elle s'est rapprochée de la partie physique, renforcée, sécurisée. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Lucie, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Alors, je rappelle que les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Lucie avant la séance et quelle est-elle à présent ? De 56 et maintenant de 182. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Allez, Laetitia ? Oui, ça va. Bon, à nous, tu peux remettre le son. J'étais un peu sonné, ça va. Bon, alors, comment c'était pour toi ? C'était bien, ça me... Je t'entends pas trop, tu peux parler plus fort ? Oui, c'était très bien, c'était... M'a allégé. Oui. T'as senti des choses pendant le travail ? Oui, ça. Comme ça m'a. J'avais plus accès à moi-même. Je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà. D'accord. Et tout ce qui a été dit, ça a du sens pour toi ? Ça t'a parlé ? Oui. Oui ? Bon. Ok. Donc, tu connais mon conseil, il faudra que tu revoies ta vidéo, hein, parce que tu vois, il y a beaucoup d'informations. Tu vois, il y a des choses que tu vas comprendre en écoutant plusieurs fois, tu vois. Hein, mm-hmm. Et puis, dans ces moments de ce qu'on appelle la métabolisation, tu sais, ça peut être des fois inconfortable. Tu as l'impression que les choses reviennent en arrière, tu vois, qu'elles s'aggravent même. Mm-hmm. Bah, il faudra te rappeler que c'est normal. Et puis, tu peux refaire la séance de temps en temps, du début jusqu'à la fin. Ok, en sachant, bien sûr, qu'au début, les entités ne sont plus là. Il faut que tu sois dans cette sécurité intérieure, tu vois. Hein, il n'y a plus rien. C'est juste que si tu as des moments où tu as l'impression que tu t'es dévié, hein, tu as eu des émotions ou quoi que ce soit, eh ben, tu refais ta séance de temps en temps, tu la refais entièrement comme aujourd'hui. D'accord. Comme ça, oui. ça te remettra sur les rails et puis tu repartiras donc, de bon pied. D'accord ? D'accord. Je fais ça. Bon, ben, Lucie, j'espère que tu donneras des nouvelles. Tu me diras par mail comment ça bouge pour toi, comment ça se passe si tu veux. Hein ? Oui, je vous tiendrai au courant. Super. Voilà, donc ta vidéo, je peux la publier, oui ? Oui. Sur YouTube, tu veux qu'elle soit en clair ou en flouté ? Flouté, s'il vous plaît. En flouté, d'accord. Eh bien, écoute, on va te souhaiter une bonne métabolisation. Hein ? Merci à vous. Merci à toi et merci à Laetitia. Merci. Et puis, donc, bah, j'attends de tes nouvelles et bah, prends soin de toi. Bien sûr. Ah. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà.